Alors, c'est parti pour l'interview Sinbad. Je pense que sa préférée, c'était Malaisie, Kuala Lumpur. C'est New York. Pourquoi ? Parce que qu'il y a une énergie dans cette ville et une créativité, et c'est super inspirant. Et dans la manière de vivre, et dans ce que tu vois là-bas, et dans l'énergie qui s'en dégage. Franchement, Pauline a un très bon sens d'orientation, donc je dirais 9. Franchement, je pense que je suis à 9 en toute objectivité. Je vais dire s'asseoir sur un cactus. Je préfère m'asseoir sur un cactus. Oui, elle me manque beaucoup. Ah ben non, ça va aller, hein. On se parle tous les jours ou tous les deux jours. Je suis un peu perdue sans elle. Donc tout va bien. Je vais dire sans lisseur ou sans sèche-cheveux. Ce qui est bien pratique parce que moi j'ai pas besoin de laver du coup. Je ne sors jamais sans mon appareil photo ou mon portable pour prendre des photos et faire des films. Et rappelez-vous que le pire qu'on puisse vous dire, c'est non. Mais un truc qu'on répète toutes les deux à chaque fois qu'on rentre n'importe où, chez nous, dans un hôtel, en auberge ou quoi, c'est « il y en a assez, on rentre à la villa ». Je pense que je serai un poisson. Soit un opossum. Je serai un poisson. Soit un lapin. Un poisson exotique. Ah, et elle aurait adoré que je réponde un renard. Mais... plein de couleurs qui rappellent les vacances. Des eaux à l'air. Je pense que les deux pourraient l'écraser. Sans aucun doute, c'est moi. J'ai un peu peur des insectes. Alors, elle aime pas du tout tout ce qui est petite bête. Justement, je pense que je pourrais l'écraser pour pas qu'elle reste dans notre van. YOLO. Liberté, déjanté, rêve. Club Med Hippie. Eh ben, moi j'y suis en ce moment même à Montréal. On voit la neige qui tombe en pleine tempête Stella. Dès la semaine prochaine, je pars à Istanbul. Et ensuite, on a quelques projets avec différentes marques et on attend que... les feux verts, quoi. Surprise pour les prochains voyages qu'on fera toutes les deux. On repart. Enfin, c'était pas le plus gros, c'était le plus long et c'était le plus contenu, quoi. Celui qui pesait vraiment sur nos épaules. Alors, Pauline, elle va me tuer si je raconte cette histoire. Dans le taxi à Rio de Janeiro pour aller sur un shooting photo. On avait fait la fête à Rio. On s'était couché à 6h du matin. On avait pris un taxi. Pauline, pas bien dans le taxi. Décide de vomir. Voilà, sauf qu'on avait rien, on voulait pas le dire au chauffeur pour pas qu'il s'arrête, pour pas être encore plus en retard. Du coup, je vide mon sac et je lui donne mon sac et là, elle a vomi dans le sac. Et en arrivant chez la photographe, elle s'est retrouvée à faire la bise à toute la famille de la photographe. Donc Pauline, puis elle vomit, a fait la bise à peu près 5 ou 6 personnes dans cette matinée. On a bien rigolé. Elle, pas trop, moi j'ai beaucoup rigolé. Alain, elle n'assistera jamais pour aller à droite parce qu'elle sait qu'elle n'a pas le sens de l'orientation, alors... Je pense que je vais laisser Pauline gagner parce que sinon c'est sûr qu'on va être perdu. Non, on s'entend plutôt bien sur ça. Elle a choisi l'affaire directe. Ouais, Fumba, parce que je... Timon, parce que Pauline a fait que bouffer, donc je la laisse être Pumba. Je bouffe et je dors et voilà. Je suis Pumba. 5, 6, 10, non, 8. Ah là, on devrait pas vous le dire ça, mais... Sans se prendre de douche, 8 jours. On a passé bien une semaine à Burning Man sans se laver. Mais après, on s'était mis les lingettes... Kratos. Ça m'a fait mal à la gorge. Voilà, je suis toujours célibataire, demandez-vous pourquoi. Merci Sinbad. Merci beaucoup. À plus.